Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons Carthage. Un épisode sûrement plus court aujourd'hui, ne m'en voulez pas. Il y a encore pas mal de conquêtes à faire, hein. Je suis en train de voir un peu où il faut que j'aille, etc. Il y a de la conquête en cours. Hein. Ah oui, effectivement, oui. Et puis on a aussi des troupes qui seront un petit peu cassées. Hop là, ouais, c'était commercial. Pareil, je crois que j'en avais presque fini avec les Arvernes, mais pas encore totalement, mais bientôt, mais pas encore. Oh, baliste lance serpent, ça peut être rigolo. On va faire ça va être drôle. Ça change. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, c'est vrai. J'ai oublié là. J'ai oublié que nous sommes cernés à l'est des irréductibles Arvernes et des irréductibles Beaux. Hop, bonjour à toi. Je te propose d'aller voir les noyés. Et ben faire en sorte qu'ils appliquent un petit peu leur nom parce que. Je trouve que leur nom. De leur scier guerre. Ah non, pas de brouillard. Quand les unités lancent projectiles, on n'aime pas le brouillard. Hop, tout le monde en mode épronage, hein, si jamais. Et là, on est déjà à la portée, c'est magnifique. Et on... Bon, entre nous. Pas vu beaucoup toucher, hein. Là, apparemment, les frondeurs ont pris 10. Oh, si, là, ça a touché. Ah non, peut-être pas. Si ça a touché, allez, continuez les gars, faites volonté. Alors, commencez par toucher un jour. Là, c'est pareil, j'étais persuadé qu'ils avaient touché, mais non. Sniff. Allez. Voilà, un. Ça a touché là. J'ai vu la proue après un coup. Il est bien en train de fumer, c'est impeccable. Oui, il est même bien en train de fumer. Ok, premier projectile, donc on va... Vous connaissez. Bonnes vieilles habitudes, hein. On ne change pas les habitudes qui fonctionnent. C'est parti. Tous les bateaux avancent. Les 20 et les 30 coups. On va voir s'il y en a qui survivent ou pas. Lui, parce qu'il y en a un qui s'est foutu devant. On est bon. Ok, bah c'est bon. Victoire héroïque, 4 pertes. Pas demander plus. Surtout quand on se bat contre des unités navales qui ont autant de vie.
Ouais, c'était des bateaux en granit en fait à l'époque. Vous en faites pas, c'est une méthode. Quelques esclaves. Ça mange pas de paix. Là, y a une deuxième flotte. On va se la faire. Rapidement. J'ai pas vraiment envie d'aller conquérir par là, mais ça, il me le faudrait quand même. Aller jusque-là. Donc je vais m'avancer tranquillement là en. En embuscade. L'ordre public est bon. Là, je vais avoir besoin de tenir les frontières. Un à l'abus. Voyons voir nos constructions. Ouais, oui, mais il y en a à construire là. Ok. Avec un peu de chance, peut-être que l'Égypte va se réveiller. Ah ouais, regardez-moi ça. Flotte de garnison. Mène la bataille sur le champ. On a 19 navires, on avait perdu un. Hein. Falloir faire gaffe à la fierté de Bastet. Et d'où peuvent venir leurs renforts et après ce sera bon. Hein. Je garde quelques navires derrière au cas où ça arrive dans l'autre sens, mais alors après. Voilà. Tout le monde en est prônage de base, il n'y a plus qu'à essayer de voir d'où viennent les renforts. Y en a qui viennent de là-bas. Il y en a qui viennent de là-bas, ok. Transport, ok, ça c'est du transport et ça là-bas. Les navires de garnison, ça? Ah ouais. Ok. Bon, faut avancer. On va pouvoir avancer ces navires-là. On peut voir qu'il y a du brouillard. Hein. On ne voit pas grand-chose. Allez. Je vais emmener mon général, enfin mon amiral là-bas. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand risque. Donc, je vais les mettre un petit peu de traviole pour accueillir ces troupes-là. On va juste se méfier. Hein. Ça peut faire très mal comme navire. Ah, je leur ai fait presque ma spéciale, mais pas ma spéciale.
Voilà, je leur fais ma spéciale, on n'arrive pas à tirer dessus, mais c'est pas la même spéciale. Oh, terrible. Ah, ça y est, ils ont coulé, non? Voilà. J'ai pas oublié de navire, si... Non, non, ok. Hop, allez, on attend que ça coule tranquillement. Ben voilà. Une perte. Oh le pauvre. Oh le pauvre, il a vraiment pas de bol quoi. Il y avait une probabilité sur 688 que ce soit pour lui. Il y en a en face qui a vraiment eu du bol parce qu'il a une probabilité, c'est vrai. Sur 1759. Il est le seul à réussir à en emporter un. Waouh. Ah oui, alors non. Ah non, en fait, on va bientôt chez vous. Oh, deux généraux de rang 11 là d'un coup. En un tour. Hop. Là, ça passe même pas en résolution. La flotte de garnison et l'armée de garnison, ils ont déjà récupéré à 100%. Bah dis donc, c'est qu'ils sont forts, hein. Pourquoi il y a de la perte, maladie? Oh merde. Ah en effet. Ah non, il n'y a rien. Maladie de quoi? C'est bizarre. Bon. Bah à voir, affaire à suivre, comme on dit. Ok, faisons un petit tour de nos troupes. Là, on va pouvoir faire notre embuscade. On en profite pour améliorer nos troupes aussi. Putain, je me demandais s'il allait courir encore plus loin lui. Et je vais rentrer à Tulifurdom parce que c'est bientôt l'hiver. Et en hiver, on n'aime pas être perdu dans les forêts montagneuses comme ça. Hein. Ça fait mal. Je me moque que vous soyez fatigué. Monseigneur, personne ne réchappera. Là, il n'a pas l'air d'avoir de troupes. Donc, je vais améliorer ça. Je vais passer en marche rapide. Ah. Pas de peau. Ici on est presque reconstitué, donc je vais aller faire une petite embuscade là par là. On aura juste le temps de se reconstituer en plus, c'est parfait. Là on améliore. Beaucoup d'améliorations, c'est cool. Là je suppose qu'on peut également. Ok, tiens, je vais faire le tour un petit peu de mes troupes pour voir si j'en aurais pas oublié par hasard. Ok, non, même pas.
Putain, parti foncier là de mes deux là. En manège germanica. Oh, ouais, tu sais quoi qu'ils fassent leur rébellion. On les purge un coup là, ça va leur faire drôle. Eux, je les sécurise parce que je veux juste pas qu'ils. Qu'ils fassent de rébellion de suite. Plus tard, on verra. Ok, on va encore essayer de baisser un peu. En faisant des promotions, on va faire baisser leur loyauté. L'air d'avoir grand monde encore. On peut plus faire de promotion. Bon bah. On va prendre quelques rumeurs. Hein, hein. 85% de risque de sécession. Je pense que ça devrait le faire. Mais t'as vu que ça devrait être plutôt correct. Bien évidemment, c'est hors de question. On va aller chercher après. On va récupérer l'Égypte, hein, tout ce qui est territoire égyptien. Non. Sécession. Oh mince alors, je l'ai pas vu venir. Celtica. Ah merde. Bah, je vais faire de l'ordre public ici. Hein. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à toi, tu vas organiser des jeux. En Celtica. Voilà. Ouais, l'ordre public, il est dégueulasse un peu partout. Hein. Ouais, falloir que je fasse. Ouais, bon, j'ai les pelles. J'ai les palais trahis là. Ça va augmenter un peu. Alors. Uburzis. À moi. Très bien. Bon, bah, je vais refaire les bâtiments par contre. Tully Furdam. À moi. Pareil, je suppose. Ouais. C'est dommage. Et Flevum. Je sais pas où tu te barres, toi. Ah, il n'y aura plus que la flotte de garnison. Et donc je disais Flevum. Et même pas de flotte de garnison. Et plus de séparatistes. Voilà. Un tour. Rapide et efficace. Là, je vais passer en embuscade. Je vais pas bouger parce qu'avec l'hiver, on n'aime pas trop bouger. Ici, voyons voir, sont-ils toujours pestiférés? Non. Donc on va avancer petit à petit. Je peux pas encore recruter des troupes. Alors des troupes pas folles quoi. Combien on rapporte cette province?
m'apporte vraiment pas mal. Hein. La Carthaginensis, je vais retirer. Et je vais mettre un Eni en Africa. Je sais pas encore quel Eni, mais. Plus 1% de richesse grâce aux bâtiments commerciaux et réduit le déclin de population dû à l'esclavage. Oh, corruption. Moins 10 d'or de public à cause de l'esclavage. On va ce que je mets sur l'esclavage. On n'est pas Sparte. On n'a pas des gros bonus de prévention de l'esclavage. Hein. Donc on va se calmer de suite. Il n'y a plus grand monde. Hein. Ça va le faire tranquille au bilou. On a terminé le tour. Direction Kasurgis, on y sera le prochain tour. Ouais, ici, retente. Hein. Je peux même pas faire la résolution en auto, c'est nul. Je me suis trompé. Ah mais je me suis totalement gouré. Bon, mon but n'est pas de la gagner, le but est de me barrer, je vais juste faire des pertes. J'ai... Je sais pas ce que j'ai fait en fait. Ah, faites-vous remonter les gars. Je... Non, je me suis totalement gouré sur ce que je voulais faire. Hein. Après, peut-être que la ville tombera, hein, j'en sais rien, mais... C'était pas du tout prévu à la base. Hein. Donc... Je vais déjà faire venir des troupes parce que... Projectile attend vos ordres. C'est parti. Nous attendons vos ordres. Navire d'artillerie paré. Les deux qui sont là. Bon. Ok, on retire le feu à volonté pour éviter de se faire des tirailliers. Là, mon but, ça va être d'avancer. Hop. Et de leur faire des pertes, tu sais. Sympa la statue. Là-bas, bon, on va pilonner un peu ces unités de piquet. Tiens, lui, il a eu le temps de... Ah bon? On accélère. Voilà, le but là étant uniquement de pilonner, de faire des pertes. Oh, ça marche pas trop mal. Oh, ça marche pas trop mal. Les piquets, ils en ont perdu des troupes. Enfin, c'est quand l'infanterie qui se met sur une ligne là. Voilà, quitte à vider les munitions, hein, c'est pas très très grave. Là, il se prend des pertes également, piqué. Là, il fuit, mais il va pas fuir totalement. Là, il se prend des pertes également, même s'il a essayé de se planquer, il se planque pas trop mal, hein, mine de rien. Je vais avancer mon amiral et peut-être que ça va tirer quelques petits tirs. On va voir. Lui, il a plus de munitions, lui. Ah ouais. Ok.
Il voit des troupes là? Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Bah, dès qu'ils ont fini de pilonner un peu partout. Et je vais faire débarquer une troupe qui servira d'appât. Je compte faire en sorte que. Qu'ils viennent défendre leur côte. En les attirant avec eux. Et si je les perds, c'est pas très très grave. Parce que ça reste une unité pas très très entraînée. En plus, ils ont pas l'air chaud à venir défendre tant que ça. Il y a une unité là-bas. Unité de populace. Ah oui, monsieur, en plus, c'est de la populace. On va juste éviter avec le général de se prendre des tirs. Ah. Ils ont réduit. Ouais, bon, le général qui il veut pas se tourner, c'est bien dommage. Bah si, il veut se tourner, mais dans le mauvais sens. Voilà. Voilà, il faut que les frondeurs ils prennent leur part. J'ai l'air d'avoir du monde par là-bas, je vais m'y déplacer. Regardez ce qui se passe. Ouais, 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 il se planque. Quelques javelots ici, ok. Ah dommage, ils vont se reconstituer, ils vont revenir. Hop. Ils reviennent. À 27, mais bon, la prochaine fois qu'ils vont avoir un coup au moral, ils vont pas revenir. Ok. Prochain navire qui n'a pas beaucoup d'expérience. Bon, c'est dommage, j'en ai perdu un. Hein. Je pensais pas le perdre aussi rapidement. J'ai pas compris. Ils ont dû se prendre des tirs alliés en fait. Je vais les placer ici. Personne. Comment? On va se déplacer, on va essayer de. Hein? Mais il sort d'où lui? C'est terrible, il sort de nulle part. Regardez ça. On sait pas d'où il sort. On s'est quand même croisé, hein, en mode, mais vraiment croisé. Hein. On s'est touché la main, mais on s'est pas vu. Bon, elle va être plus difficile que. Que je l'aurais pensé, celle-là, cette bataille-là. Chiante. Bon.
à casser les tours à flèche. Et on va essayer de s'avancer. Ok. Prochaine étape. On va se mettre par là, on va voir un peu ce qui se passe. La prise qu'il faudrait prendre, c'est ça, mais... On n'a pas assez de troupes terrestres, hein. Ils en ont encore autant. Je pense que ça va même certainement partir sur une retraite. Si on n'arrive pas à croiser le monde. C'était pas prévu à la base, mais bon, bah, c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Non, y a rien. Moi, personne, on va se retraiter. C'est un petit retrait, on va se retraiter, j'allais dire. On va se retirer. C'était pas une bonne bataille. Ça va arrêter. Alors, si long que ça, toi, on dirait. Alors, défaite honorable, effectivement, hein, au niveau des pertes. Je prends ça comme étant particulièrement honorable. Il lui restait 500 troupes. Ouais, 500, ça aurait été chaud quand même. J'aurais pas pu les... J'aurais pas pu les battre. Bon, j'ai perdu deux navires, hein, comme prévu. Enfin, comme prévu. Comme on a vu. Par contre, retirez-vous pas, non. Oh, putain. Vous avez besoin de vous retirer, genre, aussi loin? Oula. Oh, c'est bizarre, ça. Ils sont longs les Suèves là à jouer. Hein. Ah. Putain, ils m'ont tué un général quoi. Ça, j'ai pas envie de faire une bataille de suite. Ouais. Vraiment, je suis un flemmard moi de ce genre de bataille. Et sur Guise tombera le tour prochain. Putain, il me l'a vraiment tué quoi. C'est dingue hein. Leur agent à 30%, j'ai mis, je crois, un truc du genre, oh, allez, 20 tentatives. Soit 600% cumulé. Lui, là, il a quoi? Peut-être 3% et demi. C'est du one shot. C'est magnifique. Bon. Voilà. Mais bon, bah, c'est les aléas. Hein, on va dire. Une petite sauvegarde, faut pas déconner. Voilà, là ils ont été assez cons pour se foutre en mer, bah on va venir tranquillement, hein, pas le choix. Hop. Ok, là je ne peux pas faire grand chose. 6 tours. Ah, on va faire du 6 tours. Vos parties créées, ouais, c'est pour pas changer ça. C'est que ça va être un tour qui va coûter cher. Donc l'ordre de public là ici il est pas bon, il va devenir bon. Ah bah j'ai plus de thunes. Bon comme ça, bon. L'affaire est réglée. Bon les gars, vous m'avez cassé les bonbons là. Donc, continuez le siège. J'en ai rien à secouer que vous ayez des renforts ou quoi que ce soit là. Est-ce que je vais vous apprendre?
Ça a crevé en silence, voilà. Exactement, comme ça. Alors, la dernière chose que t'as appris de ta vie, mais tu l'as bien appris. Zo. Ah. Ah, j'avais oublié ce détail. Qu'il n'en est pas un... Qu'est-ce qu'il fout de là, eux ? D'accord. Hop, allez, direction à la boue. La boue, à la boue, à la boue, voilà. Ne soyez pas en retard, sinon vous serez à la bourre. Ah. Oh, allez, 86, ça passe. On occupe et il n'y a même plus d'arverne. Magnifique, n'est-il pas? Et maintenant, direction les ruges. Ok, ici on risque plus, si on risque. Et là-bas, bah ça a fait sa petite vie, hein. Ici je peux pas recruter de bons navires, dommage. Oh, j'en ferai là. Hein. Ah, montée de niveau, félicitations à vous. Il y a quelques pertes ici, c'est pas bien grave. Alors, après le coup de Trafalgar que tu m'as fait, c'est hors de question. Bon, est-ce que je vais encore avoir la mort d'un général? Je le sens bien, moi, le de généraux en un tour. Ah d'accord, bah, il est venu, mais il est parti. Pacte de non-agression. Non. Je vais certainement prendre tes villes également un peu plus tard. Ça prendra des relations avec les Spartiates. Alors, sauvegardons. Effectivement, si je clique pas, on va pas. On va y arriver. Hop, direction le four d'homme. Donc toi tu vas là. Il n'y a personne au four d'homme. Donc on capture le four d'homme. D'ailleurs qui est la capitale actuelle des Suèves. Enfin qui était la capitale des Suèves, on va dire. Non, ça n'y est plus. Je vais faire venir là. Là on est bon. Là on y arrive. Là on va leur demander à manger. Je peux faire plus que ça. Ordre public est bien remonté ici, comme j'avais dit. Là, il va falloir plus d'ordre public par contre. C'est bizarre, c'était vachement plus bas. Alors, je sais pas si c'est l'hiver qui donne un ordre public qui l'a fait baisser, mais alors drastiquement. Un bon moins 20 quand même, hein, j'ai l'impression. Ah, ouais, non, là, oh, ça peut être très rigolo de jouer avec ça. Ouais, mais non, j'ai que des unités à distance là. Oui, vous savez quoi, on va faire ça, on va prendre son temps. Hop, on va se reconstituer ici, ici. Direction sirène, je veux même plus entendre parler des Égyptiens. 71, ça me va. Non. Bon.
Après j'ai Fasania pour recruter les troupes que j'ai perdu là. C'est dommage quoi. Et qui ici là? Ah Chypre, ah oui d'accord. Attends, je suis en conflit avec Chypre en plus. Ah ouais. Lui couche, la ramasse-miette. Voilà. Hop, direction sirène. Très bien, en plus je pourrais recruter mes unités comme il se doit. Là, je vais pouvoir refaire... Ah bah non. Je vais refaire un changement. Bah zut, c'est pas grave. Ah, j'ai éliminé coup sur coup les Arvernes et les Égyptiens. C'est vraiment pas mal. Faut pas sous-estimer les Égyptiens. Ils ont des unités absolument fantastiques. Entre les chars, les éléphants, les piquiers, les unitadistes. Enfin, ils ont tout. Ils ont tous les Égyptiens. C'est une de mes factions préférées. Voire sûrement ma faction préférée. En plus, ils ont. Pour commencer, ils ont de la bouffe à gogo. Ils ont même un. Une ville de avec des du fer, enfin c'est. Ils ont tout. Ils ont pas de bois. C'est vrai, ils ont pas de bois très proche. Ils ont des épices à deux pas, enfin. Le seul truc qui leur manque, c'est du bois, quoi, à la rigueur. Ah. Les bas quartiers, zut. J'ai pas fait attention. Excusez-moi les gars. Allez, direction Rougillon. Voilà, c'était à prévoir. Ils ont encore des. Ouais, ils en ont encore des. Des villes. Donc j'encercle. Je fais un blocus. Bon, autant dire que. Ils sont un peu dans la mouise, quoi. Combien de tours avant... 4 tours, malgré le blocus. Et B. On va finir ça tranquillement. Hein. Mode protection. En plus, ça nous apportera du bois, qu'on a déjà. Mais quand même. Putain, je perds deux navires là-dessus. Terrible. Hop! Ouais, allez. C'était ici, ouais. Ok, c'est Sparte. Je me suis dit, merde, il y a des unités encore qui me viennent sur la tronche. Ça va, c'est Sparte. Après tout, on est censé être copains, lui et moi. On tape sur les mêmes gens. Eh ben dis, il y a du bâtiment commercial là. Ok. Hein. Les Égyptiens, ils sont toujours en vie. Non, je crois que je m'en suis débarrassé. Hein. Ouais, totalement. On a bien poussé nos territoires, j'aime bien. Les balises à serpent. À votre service, montez les patrouilles. Je vis pour servir la puissante. On va avancer petit à petit parce que sinon ils vont aller sur Ascocalis.
Ah mais non, c'est je crois que c'était les. Ah zut. Je vais faire un assassinat. 40% de chance. Mais on va. Ah mais voilà, hein, je pense que tout est dit là. Il n'y a plus de. Y a rien d'autre à dire. Hein. Absolument rien d'autre à dire. Une petite embuscade, ils vont tomber dedans ou pas, j'en sais rien, on verra. N'importe quoi. N'importe quoi, 40% je me fais blesser. Hein. Lui il avait 2%, il a réussi. Bon, je sais pas s'il avait 2%. Mais je suis sûr qu'il avait moins de 40%. Là. On va voir. Ah. Ici, ouais. Ah putain, j'ai vu une peste là ou ça encore. Ah, c'est pas chez moi, je m'en fous alors. Bon, ici, c'est ballot, hein, mais il y avait du monde. Hein. Oh, en mode équilibré, sinon j'ai énormément de pertes alors qu'ils sont en infériorité de mieux. Ouais, mais je déveillais trop ici. Bon. Elle dit on n'avait plus le loisir de prendre d'esclaves. Donc désolé les gars mais je vous termine comme il faut. Et ouais on peut plus prendre d'esclaves, un petit peu trop de problèmes d'ordre public. Voilà, nouvelle embuscade. Naturellement, on leur vole de la nourriture. Ah. Ah oui, d'accord, je l'ai pas mis. Je m'étais pas amarré. Autant pour moi. Ça dit quoi, Sparte? Ouais, tu recules parce que Chypre. Je comprends. Bon, ils ont refusé. Peut-être parce que on a un ennemi non commun. Alors, on va rigoler un peu avec les balistes lance-serpent. Et en Suébia. Non, il n'y avait pas de rébellion. C'était pas en Suébia. C'était où alors? Ah si, Suébia. Bon. Ah, ouais, peut-être parce que j'ai personne ici. Je peux passer en Empire ou pas? Pas encore. J'ai pas l'impérium nécessaire. Il s'est fait repérer, j'ai l'impression, lui là. Ouais, il s'est fait repérer. Ouais, il s'est défendu, c'est bien. Direction Ascocalis. Avec mes troupes de Casurgis, peut-être on va aller prendre capitale Suève, Dorgis. Matani, ça me va.
Ok, mon espion est revenu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener. Oh, le nombre de tours, il se déplace vraiment pas vite. Hein. C'est terrible. Allez, Ascocalis. Il y a des troupes là. Oh, il meurt de faim. Il y a des troupes, mais elles sont... sale état. Bien amoché. D'ailleurs, pendant que j'y pense... Alors ça, j'en ai besoin. Ah si si, hein, j'ai pas louché. Hein. 5000. À manger. À manger. Oups. À manger. Ok. Alors. Ah oui. Et ma flotte là. Oh non, il y a quelques tours. On reconcile 8. Ah oui, bon. Ouf. On n'est pas pressé. D'ailleurs, Rougion. Ok, militaire qu'on va y faire. Bien passé par là, moi. Non, mais... Oh. C'est une illusion d'optique, c'est bon, ça arrive. C'est une illusion des dieux, enfin bref. C'est compliqué à expliquer, mais t'inquiète. Bon, toi par contre. Voilà, on va se faire un assassinat, on va essayer. 26%. 26% de succès critique. Bon. Déjà ça. On n'a pas échec. Pardon. On n'a pas fait d'échec, c'est déjà mieux que beaucoup de cas. Quoi, il y avait Boyens là-bas. Oh, ça, c'est pareil, on récupérera. Hein. C'est parti, ils s'entendent comment avec tout ce qui est Boyens, etc. Ouais, oui. Oh. Bien, mais tranquille, mais sans plus, quoi. Alliance défensive, non il veut pas. Ekbani. Voilà. Et ouais, faudra peut-être se faire pote aussi avec des gens, genre les Séleucides ou... ce genre de faction là quoi. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce que t'as fumé toi là? Pourquoi t'engages une victoire, enfin une bataille perdue d'avance quoi. Peut-être pour pas que je prenne Burgis de suite. De toute façon, ça arrive du nord et du sud hein, sur Burgis. Donc même si tu arrêtes le nord, il va falloir arrêter le sud. Et là les deux, ça va être un peu plus compliqué. Hein. D'autant que eux là, ah j'ai un petit truc à faire avant ça. Voilà, j'en profite. Hein. Ça mange pas de paix. Hop là, coucou les gars. Bon alors, ça part ou quoi? Vous aimez bien l'endroit? C'est pour ça que vous êtes là? Bah moi j'aime bien aussi. Hein. J'aime bien être chez vous comme ça. C'est très agréable. Hop. Et là vous êtes. Ah oui. À la
à faire un siège, hein. Ils sont plus que prévus. Excusez-moi, là, c'est l'allergie, là. Ouh. Bon, on va quand même envoyer des renforts. Pardon ? Pourquoi ils peuvent pas passer, là ? D'accord. Ouais, bah ouais, ouais, c'était mon espionne qui bloquait ses propres armées, quoi. Elle était toute seule sur un pont et elle a bloqué 3000 hommes. Ah, la con, putain. Elle était toute seule sur un pont, même devant le pont, même pas sur le pont, devant le pont. Elle a bloqué 3000 hommes. Mais ouais, si tu pouvais faire ça pour les troupes ennemies, je dirais pas non, parce que bon... Ouais, les résolutions en mode... mode classique, normal. Pas de perte en plus. Ok. On occupe et il n'y a plus de Suève. Magnifique. Purée, on sera venu à bout de pas mal de monde là déjà sur cet épisode. Tiens, tu sais quoi? Non, j'allais dire, je suis un pour le recrutement, mais. On met ce qu'il faut là juste à côté. Donc, pas besoin. Et je vais lancer les constructions, je vais terminer le tour et on arrêtera la vidéo là-dessus. Hop, un peu de bonheur. Ok, bien. Ensuite, direction là-bas. Ah, il y a les couches. Ça va être embêtant. Attends. Non, j'ai cru qu'il y avait les bataillons sacrés, mais non. Donc ça ne m'intéresse point. Ok, bon bah... on va arrêter ici pour aujourd'hui. Bah, j'espère que l'épisode vous aura plu. Dans le prochain, si j'y pense, je vais m'efforcer à faire des traités. On verra ce que ça donne. Et peut-être terminer... ouais. Peut-être terminer les... la campagne, tout simplement. En fonction des traités qu'on arrive à avoir. Ok. Encore de la maladie, j'ai vu. Eh ben, je vous dis à la prochaine. C'était Tiob. Oula. Ciao.